Après qu'IFIN casse la boîte de tender, Emirates Airlines lui met 35 600 roupies, plus des airport taxes de l'Arabie Saoudite. Saudi Airlines, 35 000 roupies, plus airport taxes. Pour Emirates, il y en a 10 airport taxes. Quand nous arrivons, nous avons payé un airport tax de Dubaï et l'Arabie. Tandis que le Saudi Airlines paye un seul tax, l'Arabie, bien sûr, tout pays Maurice. Maurice aussi nous a une taxe. Mais finalement, ce qui nous fait négocier, mais avec Emirates, il reste ce prix, pas qu'à négocier. Il reste direct sur 36 600, plus ce taxe. Mais avec Saudi Airlines, il y a 31 000 plus ce taxe airport, il arrive 34 500. Récemment, on a l'Arabie Saoudite. Mais avant moi, l'Arabie Saoudite, nous avons avec le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat. Parce qu'il y a trois taxes à Maurice, nous payons là. Il a accepté la requête qu'il enlève toutes taxes à Maurice. Donc le Premier ministre fait un effort. Malheureusement, quand on arrive à une situation un peu difficile, le carburant, comme nous tout connaissons, est international, une beauté, et le dollar fin apprécié. Mais la négociation, ce qu'il fin faire, c'est bien difficile. Avec le CEO de Saudi Airlines. Mais ce qui est important, il explique nous que Maurice nous déjà gagne beaucoup l'avantage par le côté visa. C'est le pays qui gagne visa plus que les autres pays. Comparaison qu'il nous fait entre un pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et Maurice nous prend même le temps pour aller. C'est-à-dire 6 ans et demi, l'Afrique du Sud pour l'Arabie, Maurice nous prend 6 ans et demi pour l'Arabie. L'Afrique du Sud, c'est un vol régulier. Mais Maurice, il peut donner nous 6 vols spéciaux. Ça veut dire 6 vols pour une ville et remplir aller. Ça veut dire qu'on a 6 vols de vide. La ville, c'est assez. Du vide, la liquidité, il y a aller vite, des fois vite, 6 vols. Ça coûte beaucoup plus cher. Et par contre, l'autre côté régulier, donc les 38 000 roupies, l'Afrique du Sud, Jeddah, avec le taxe tout. Et Nairobi, il est 4h15 minutes. Je peux payer 36 700. Nous avons l'autre plus adjusé là-bas. Qui est une bonne nouvelle, qui a trois vols qui peuvent sortir directement quand fini faire Hajjat al-Madina, de Médine, pour sortir pour venir directement à Maurice. Direct flight. Et normalement, nous avons un transport, tout le monde pèlerin payer transport, un complet. Là, nous pouvons retourner depuis Medina par vol direct pour rembourser. À peu près 90 riyals, à peu près 800-900 roupies pour rembourser. Maurice nous fait une récit discuter malgré avec tout ça, tout le monde l'avantage. Le prix final avec taxe, les 30 600 roupies. Le prix avion et les taxes de l'Arabie, c'est 30 600. Ça veut dire, ce qui nous peut faire une différence des de autres pays, 7 400 €. Bon, vous êtes dire qu'il y a les autres dans quelque chose que nous discutons dans les conditions, dans le manger qui vous a donné, nous discutons ça aussi, qui bien hygiène et un peu dans le côté mauricien. Nous avons un peu dans les conditions qui pourraient être à 5 jours quand on peut faire Hajj. Nous avons un petit peu de conditions de transport. Et le ministre de Hajj, nous avons délégué un vice-ministre Hajj qui pour responsable Maurice, qui pour liaison avec nous. Vu qu'il s'arrête, si nous n'avons pas une bonne relation avec l'Arabie Saoudite, nous n'avons pas gagner ce qu'il nous peut gagner. Et ça va nous faire qu'il nous peut gagner, comme dit mon frère, il fait dire, c'est tous les années nous peut améliorer. Mais moi, je suis un peu déçu. Mon frère, je suis très déçu de l'attitude de Reza Houtim. Et je félicite le ministre Roupan, qui est un mois sacré, et qui nous dit qu'il nous peut encore dans la négociation. Mais ce qu'il peut faire politiquement, pas faire politique, moi, un simple député, moi, n'a pas vice-premier ministre aujourd'hui, en tant qu'un simple député, aujourd'hui, moi, finalement, sa quantité. Mais lui aussi, il est un député, il n'a même pas le pouvoir. Pourtant, c'est une famille qui, déjà, dans la grande organisation, Hajj Maurice, représente Maurice dans l'Arabie Saoudite, ce qu'a aujourd'hui. Mais ce qu'a Noël pas faire. Et ce qui, je peux penser qu'il vient d'un coup de main, au lieu qu'il vienne faire critique hystérique.